Salut tout le monde, je suis Mika Rob et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Order 1886. Dans le dernier épisode, on voyait donc Galahad ici présent en prison, en train de se faire torturer par deux mecs. Donc pour quelle raison, on n'en sait rien. Est-ce que c'est un traître ou un truc du genre hein, où il est accusé à tort, on n'en sait rien pour l'instant. Ensuite, eh ben, on a pour mission d'aller. Donc, on est arrivé jusqu'ici. On a déjà, je crois, tué des prisonniers ou un truc du genre qui se sont échappés. Donc, on devait les interpeller. Enfin, on les a interpellés violemment. C'est-à-dire en les tuant. Et donc, là, on doit aller ici. Pour découvrir voir quartier une créature. Général à tous les chevaliers se trouvant à proximité de mes fers. La police vient de boucler les zones concernées. Les sentinelles continuent de patrouiller. Nous vous alerterons si nous repérons les patients en fuite. Compris. Rien ici. Rien là non plus. Allez. Et donc ouais, on vient ici donc pour comment dire découvrir parce qu'en fait il y a une créature. Donc on va voir ce que c'est. Ok. Bon, lui, il pète un câble. Galahad, où est-ce que tu es rendu? Dans la salle des générateurs. On a décidé de se séparer avec Lafayette pour nos recherches. Oui, mademoiselle. Mais je n'ai pas rencontré de résistance. Je voulais... Attends. Où ça? Là, non? D'accord. Bon, bah, apparemment... Ah, c'est elle, d'accord. J'étais sûr de te battre sur ce coup. N'oublie pas, les jeunes gagnent toujours. Ouais. D'accord. D'accord, c'est un loup, garou. Écoutez, l'un de nos fugitifs est un hybride. Ah, un hybride. Mince, j'appuie au dernier moment. Viens là. Bon, faut que je tire plusieurs fois avant de... Confirmez de mon côté. Mince, j'arrive pas.
C'est trop rapide. J'essaie d'appuyer, mais c'est trop rapide. Ah, c'est bon. Ah, j'étais en train de recharger, je pouvais pas là. Putain, je l'ai pas vu revenir. Putain, c'est chiant ça. Dernièrement. C'est bon. Allez, viens là toi. Ah, c'est bon. T'inquiète, je m'en occupe. Ils sont plus que deux, hein. Enfin, ils sont plus que deux, je veux dire. D'accord. Bon, lui, il se barre. Monsieur! Qu'est-ce qui s'est passé? Je les ai presque tous eus. Le dernier s'est enfui. Irène, ton électrofusil! Je remonte au niveau de la rue et je le suis. Partez par là et interceptez-le. Compris. D'accord, électrofusil. Nouvelle arme. Allez. Putain, il a tué des gens déjà là, je crois, non? Allez, viens là. On y va. Laissez passer. Sortez, allez. Mince. Quoi? C'est que j'ai pas eu assez de temps de tirer quand même, il a bougé donc... Ok, c'est bon. D'accord. Tout le monde va bien? Oui. Perceval, menace neutralisée ici. Bien. J'ai réussi à capturer l'un des hybrides. On se retrouve sur Regent Street. Bien reçu. On y va. Ouf. Qu'est-ce qu'on doit faire avec lui? Westminster, les catacombes. On s'occupera de lui plus tard. Ah, Sir Perceval. Je pensais bien que l'ordre des chevaliers de Sa Majesté était impliqué. Nous soupçonnions une incursion rebelle, commissaire. Conjecture élémentaire. En ce cas, ceci vous intéressera peut-être. Qu'est-ce que c'est? Rien de tangible, bien sûr. J'appelle ça une preuve. Les preuves indirectes peuvent se révéler retorses, mon cher Sir Perceval. Elles pointent dans une direction. Mais changez votre point de vue et vous réaliserez qu'elles pointent de façon tout aussi convaincante vers toute autre chose. C'est vrai, ça peut être le cas. Partagez vos théories avec moi, commissaire. Il y a la rébellion, puis ce Jack, ainsi que l'éventreur. Mm-hmm. Ah. Puis ceci. Étrange, n'est-ce pas, que Whitechapel se retrouve au cœur des récents démêlés. Il faut étudier le moindre indice, voyez. Le conseil se réunit dans 2 jours. Si vous nous faisiez l'honneur de présenter vos découvertes. Comptez sur moi à Westminster. Par ici, chef. Excusez-moi.
Où étiez-vous ? Le trafic londonien. Mon général, que fait-on des hybrides qui se sont enfuis par Hyde Park ? Poursuivons-les. Non. Mais notre devoir est de les poursuivre, monsieur. Marquis, nous ne chassons pas des Anglais sur le nouveau continent. Votre témérité sera requise au moment opportun. Oui, mon général. Je me souviens de Marseille. Vous conviendrez sans doute que pour le moment, cette affaire concerne la police. Bien sûr. On va faire ça. Quelque chose cloche. Il paraît que la pègre de Whitechapel abrite la rébellion. C'est justement ce qui m'inquiète. Pourquoi trouve-t-on tant d'hybrides à l'asile ? Nous devrons le découvrir par nous-mêmes. Le commissaire Doyle dit que la police se charge de l'affaire. Les chevaliers ne renoncent pas à l'autorité pour des ronds de cuir. Personne n'a raison. Il faut porter cette affaire au conseil. Bah oui. La police ne peut pas s'occuper de ça. Les siècles ont passé. Mais notre ordre s'est toujours acquitté de sa mission sacrée, en préservant l'équilibre entre hommes et hybrides. Telle fut la quête du fondateur, le roi Arthur. Que son nom puisse briller à jamais. C'est vrai ? Le grand chancelier s'est battu aux côtés d'Arthur ? D'après la légende. Aujourd'hui, l'équilibre est menacé par chapitre une épidémie 2. Qui n'a aucune entre mesure. La rébellion. Tant que nous laisserons l'anarchie et la terreur se propager sans limite, le terrible fléau lycan qui s'est abattu sur notre bonne ville se développera et l'avalera. J'avais oublié le nom. Le grand chancelier reconnaîtra sans doute l'urgence d'une mission à Whitechapel. Whitechapel est l'affaire des autorités civiles. Quand le noble Arthur voulut éprouver la loyauté de l'empereur romain Lucius, il fit peu de cas de la notion de juridiction. Vous pouvez garder pour vous vos leçons d'histoire, Sir Perceval. J'ai été témoin de plus d'événements que vous. Je rappelle aux chevaliers présents que la menace qui pèse sur l'ordre n'est pas seulement extérieure. Méfiez-vous. Soyons tous vigilants ensemble. Sous peine de voir nos rangs se faire contaminer par ceux qui veulent détruire tout ce qui nous est cher. Personne n'est immunisé contre l'influence rebelle. Le grand chancelier ne peut mettre en doute la loyauté de Sir Perceval. De tout temps, l'ordre a apprécié les conseils de Sir Perceval. Mais les troubles actuels requièrent prudence et effort conjoint, pas une riposte hâtive. Sir Perceval doit être entendu, grand chancelier. La situation à Whitechapel a besoin d'être débattue. Lord Darwin parle-t-il au nom de ses pairs ? Oui. Tiens, prends ça. Lord Hastings, Lord Danglars ? Tout à fait, grand chancelier. Peut-être que la question doit être soumise au conseil. Fort bien. Comment statue l'ordre des chevaliers royaux de Sa Majesté sur l'affaire Whitechapel ? Pour ou contre ? Non, non. Les contre l'emportent. La séance est levée. Pas bon, ça. Notre ordre est trop prudent, Grayson. Notre immobilisme nous tue. Laisse tomber, Sébastien. Va pas la prudence. Sir Perceval est très agité. Tu verras qu'il vaut mieux ne pas le contrarier quand il a une idée en tête. Bon. Allez, je peux bouger ? Ah, je peux pas... Ah, si. Je pensais que je pouvais pas bouger. Perceval s'est décidé à poursuivre son enquête. Ouais. C'est bon ? D'après le grand chancelier, le conseil ne donne pas son accord. Notre frère chevalier semble n'en faire qu'à sa tête ces derniers temps. Ouais. Beaucoup se lassent de l'insubordination de frère Perceval. Bon. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Ou... au chancelier ? Non, là. Non ? Je peux pas parler ? Ok. Bon, on fait le tour, alors. Franchement, c'est super bien fait. Comme je disais, je crois que ça doit faire peut-être un an ou deux... Même plus de deux ans, je crois. Ça fait deux ans, je crois, que, qu'il est sorti. Donc, c'est très intéressant. Galahad réglera le problème en temps voulu.
J'ai une affaire plus urgente à gérer. Entendu. Combien d'entre eux vont faire le voyage pour les Amériques ? Lord Barrett, Lord Darwin et moi-même. On m'a dit beaucoup de bien de l'Agamemnon, Lord Hastings. Ah, c'est le fleuron de la flotte de la United India Company. Appelé... agréable et rapide traversée de l'Atlantique. Viendrez-vous à l'inauguration ? Ça saura quoi faire avec Agamemnon. Vous escorter jusqu'au vol inaugural. Sire Lucan, puis-je ? Vous permettez, messieurs ? Bien sûr, Sire Perceval. Alastair, tu sais comme moi que Whitechapel est la clé de tous ces troubles. La clé de tout. Mon avis importe peu, le conseil a parlé. Peu ont osé contremander les directives de ton père. Dois-je te rappeler que nous servons tous selon les souhaits du grand chancelier ? Tu es chevalier commandant ! Fais-lui entendre raison. Tu trouves que tenter d'infiltrer une place forte rebelle est raisonnable ? À mon sens, le risque est acceptable. Tu serais alors tenu personnellement responsable en cas d'imprévu. L'acceptes-tu ? J'assumerai toute la responsabilité, et seul. Whitechapel reste inaccessible. Du moins, officiellement. Merci, Sire Lucan. Je n'ai pas besoin de remerciements, mais de résultats. Bien, chevalier commandant. Ouais. Bon, on y va. C'est formidable. Quand il y a... Vous ne parlez pas de Whitechapel, mais mon frère a cru bon d'autoriser une reconnaissance. Préparez le matériel qu'il faut. Isabeau, un mot. Dites-moi, monsieur, sur le grand chancelier, qui a-t-il marqué ? Il a adopté Messire Lucan et Dame Ygraine, c'est ça ? En effet. Pourquoi leur a-t-il infligé une telle vie ? Il tentait de regagner un semblant d'humanité qu'il a perdu. Au moment de rejoindre l'Ordre, ils ont fait leur choix. Ouais. Peu importe. Je ne souhaiterais pas cette vie à mes enfants. C'est sûr. Marquis, dépêchons. Oui, mon général, avec plaisir. Monsieur. Il me fait marrer, lui, j'aime bien. L'ami Mallory a toujours eu tendance à n'en faire qu'à sa tête. Il n'y a pas meilleur homme. Mais je compte sur toi pour le ramener dans le droit chemin. Nous faisons équipe depuis bien longtemps. Je lui confierai ma vie. Un peu de retenue serait la bienvenue. On fera le nécessaire. Veille bien sur ma sœur. Tu veux ? Quand Isabeau veut se mettre en danger, impossible de la dissuader. Tu as raison. Je ne suis que son frère. Bonne chance, sois prudent. Ouais. À votre disposition, allez. Sir Galahad. Par ici. J'arrive, mais je peux pas courir. Juste attends. Je te suis, franchement, c'est super beau. Quelle nouveauté avez-vous à me montrer ? Ma foi, plusieurs points intrigants, je dois dire. Ça me fait penser au moine qu'il y a dans... avec Hugh Laurie, là, où il combat des... Dracula, là. Je sais plus comment ça s'appelle déjà. Des nouvelles ? Des échauffourées de Grosvenor Square ? La police mène l'enquête. Elle mène l'enquête. Les Lycans sont au port de la United India Company, qu'en dites-vous ? Mayfair n'est plus ce qu'il était. Ah, en fait, désolé pour les sous-titres, hein, je peux pas les faire plus gros. Ah. Mais bon, c'est en français pour ceux, voilà. Qui sont français, bien sûr. Et pour ceux qui ne voient pas très bien. Désolé. De mes expériences. En attendant, je et qui entendent pas très bien, surtout. Faites mumuse avec ce qui vous plaît. Mais faites attention. D'accord. Alors, on va faire mumuse avec. Hein. Ils viennent nous le dire. On peut faire mumuse. Nicolas, comment va votre ami Edison ces jours-ci ? C'est quoi, toi ? Moi ne sommes pas vraiment en bon terme. Ce n'est qu'un imbécile ! Ok, calme-toi. Je posais juste la question. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Belle antiquité. Difficile de croire qu'on ait un jour utilisé ces communicateurs. Ah, d'accord, c'était des communicateurs par le passé.
regarder là, c'est quoi ça? Une sorte de machine, mais je sais pas trop ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé là? Rien, on peut pas lui parler. Il est figé sur sa fiche. Rien à regarder là. Il y a un truc ici, une fiche. Pour moi, ça me paraît bien. Ouais, pour moi aussi. Nicolas, quel futé celui-là. Alors, par contre, on peut rien lire. On peut entendre juste les commentaires de Galahad. Non, y'a rien. Ah, c'est bon, si on touche, ça fait rien. Messire Galahad. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ici, je vous en prie. Ouais, faudrait que la touche s'affiche. Voilà, merci. J'ai quelque chose qui va vous intéresser. Cet engin permet de convertir le courant continu inutile d'Edison en courant alternatif nettement supérieur. C'est pratique pour surcharger certains appareils électriques particuliers. Particulier, tu veux dire? Voilà. C'est un simple correcteur à tube électronique doté de pinces en cuivre afin d'amplifier ses capacités. Oh, et sa superbe mallette en cuir. Chaque tube contient une petite quantité de mercure. Quand les niveaux de mercure sont alignés, l'appareil est opérationnel. D'accord. Allez-y, essayez. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, d'accord. Vous ne cesserez jamais de surprendre, Nicolas. J'ai fait ça au hasard, là. En fait, c'était pas j'aimerais dedans. J'aimerais avoir votre avis d'expert sur ma dernière création. C'est le... Comment dire j'allais dire Géo trouve tout, mais c'est pas ça, mais... T'es le créateur d'armes, là-dedans. Carabine de précision M84 Essex. Impressionnant. Vous avez toujours eu l'œil affûté. Je l'ai équipé d'une vue télescopique. Idéal pour les tirs longue portée. Je serais ravi si vous pouviez le tester. Avec bien plaisir. Entendu, eh ben oui. Ah, attends. Il y a des balles. C'est bon, chargé. Cool. Tout ça manque de souplesse. C'est bon ou je peux tirer autant que je veux? Le recul est brutal, mais gérable. Joli tir. Ouais. Bah alors c'est bon, on peut arrêter là? Ah, j'avais pas vu qu'on pouvait... Votre talent m'impressionnera toujours. On fait quoi là? J'arrête ou pas là? Comment on fait? Non, c'est je pas... pense que vous apprécierez ces nombreuses focales de grossissement. Ouais, c'est ce que je fais. Hein. Là, c'était juste. Bien équilibré. Bon, c'est illimité, mais le truc c'est que. Maintenez. Enfoncer pour stabiliser votre arme. Ah, d'accord, ouais. D'accord, c'était ça que je devais faire. Un silencieux ne serait pas de refus. Je m'en occupe immédiatement. Souhaitez-vous faire la connaissance d'un autre de mes enfants? L'offre est tentante, mais je dois rejoindre les autres. Bien sûr. Oh, la longue vue demandée par le général Lafayette est là, sur la table. Je m'assure qu'il l'est. D'accord. Ratissons le quartier par deux. Isabeau, Lafayette et toi, vous remontez à High Street, par le sud. Galahad et moi, on passe par le nord. Le Français peut accompagner Galahad? Mademoiselle doute de mes intentions. Je promets d'être à tout moment l'image même de la chevalerie. J'aimerais être aidé par un équipier plus expérimenté. Je croyais que tu n'avais pas besoin d'être épaulé.
Fort bien. Tu vas avec Galahad. Peut-être un jour me permettrez-vous de prouver mes talents. Un jour. Oui, un jour. Attention, nous entrons en territoire rebelle. Les insurgés verront d'un mauvais œil notre incursion à Whitechapel. Compte tenu de notre découverte à Mayfair, nous devrions viser l'hôpital de Londres. Plutôt étrange que les Lycans y aient trouvé refuge. Pas vrai, monsieur? Tu penses vraiment que les rebelles collaborent avec les hybrides? Le grand chancelier en est persuadé. Moi, j'ai des doutes. Mais faites-vous confiance à quiconque? Toujours tout remettre en question. Cette devise m'a fait traverser des siècles. Donc, en fait, certes, beaucoup de membres des chevaliers sont, comment dire, plus âgés qu'on ne le croit. Ce qu'ils viennent dire. Tout le monde. Ça l'a fait traverser des siècles. Du grabuge. Donc, automatiquement, c'est qu'ils ont vécu des siècles. Une bande de coupe-jarrets, de collabos et de proxénètes. C'était bien différent autrefois. Bon. Isabeau, on y va. Autrefois, on y avait une chapelle isolée ici. Elle offrait le gîte aux voyageurs. C'était avant même que je sois là. Les murs de la ville n'étaient pas encore érigés. Aujourd'hui, on sent Whitechapel. Les choses ont bien changé, Sébastien. C'est vrai. L'ordre y compris. On se retrouve à l'hôpital. Restez sur le garde. Bien compris. Ah non, je pensais que c'était avec Isabeau avant que j'allais. Non, d'accord, je vais avec le français. Avec Lafayette. Deux spins. Les cendres sont encore chaudes. Alors, attends deux secondes. Merci. Je regarde ailleurs et il n'y a rien. Salut mes jolies. Bon. Alors, on monte ? Attends, y'a quelqu'un ? Regardez, monsieur. Ces charmantes demoiselles nous font signe du balcon. Des prostituées, marquis. Bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Attends. Lafayette. Ah, une pomme. Allez. Hey. Bon. Est-ce qu'on intervient ? Ah, il pisse le sang comme un porc ! Regardez-moi ça ! C'est vraiment pas bon. Bon bah il on peut pas... Bouge pas, espèce d'imbécile ! On peut pas intervenir. Parce que moi je serais intervenu. Le mec, attends, qu'est-ce qu'il a ? Sur un 3 sur lui, là... Pour moi c'est des lâches, hein. Pauvre mortel, en envoyant ces précieux chevaliers rôder dans nos rues et violer nos foyers au nom de la loi et de l'ordre. T'es déjà au courant ça? Où est la justice dans tout ça? Je vais vous le dire. Morte et enterrée. Et quand la justice n'est plus, le peuple doit se soulever. Il doit prendre les armes et reconquérir ses droits. Ils vous disent que la situation est satisfaisante. Ils disent bon. Que l'Angleterre on connaît le progrès. On bouge. Tu crois ? Attends, t'as vu comment t'es habillé ? Ils savent très bien qui vous êtes. Hein. Des taudis sans nom, où la misère règne en maître dans chaque recoin. Ah bah le mec est parti, comme de par hasard. À travailler pour une misère, pendant que vous êtes, ils disent d'être reconnaissants pour ces quelques sous. C'est pas... Allez. Travaillons sans relâche. Faut l'aider. Elle est morte ! Et par ta force ! Le bras.
Allez, bim, voilà. Bravo, monsieur. Je ne voulais pas salir tes mains d'aristocrate. Ça va. Allez. Il n'y a rien à craindre. Comment j'aurais pu savoir que c'était l'éventreur? C'était un gars ordinaire. Ah. Il a encore tué la nuit dernière. Je savais pas. Laissez-la, monsieur. Je savais pas. Ne vous en faites pas. Vous êtes en sécurité. Pour le moment. Bon. Il est pas mort normalement. Il est assommé et le bras démis. Enfin, cassé plutôt. Porte. L'épaule cassée, je crois d'ailleurs. Ouais, mais attends, je vais regarder par là. S'il n'y a pas quelque chose à regarder. Ah, si. Qu'est-ce que c'est? Attaque à Mayfair. D'accord. C'est juste ça. Ils mettent pas de genre à lire un petit texte. Bon, c'est vrai que si c'était un long texte, je l'aurais pas lu. Je l'aurais laissé juste quelques secondes à l'écran pour que vous le voyez. Et ils auraient mis sur pause pour le lire. Mais. Allez. Ah ouais. Qu'est-ce que je dois faire? Ah d'accord. Non? Qu'est-ce que je dois faire? D'accord, faut que je vise entre les deux. Non. Voilà. C'est bon, d'accord. On doit faire ça. Attention à la feuillette, hein. Les armes sont interdites dans l'établissement. Vous voulez rester? Laissez-les là. Bien sûr, monsieur. Pour tout vous dire, nous cherchions justement le vestiaire. Donnez ça. Et amusez-vous bien. Calmez-vous, monsieur. Une rapide reconnaissance du périmètre semble impérative. Ouais. Il avait une voix un peu... J'irai, je vais faire comme dans le... Comme dans la langue, c'est genre un peu irrespectueux envers nous, la façon dont il parlait. D'accord. Avec ah Zelda. Ça vient de Zelda. C'est pas un problème. Lui, c'est la première fois qu'il vient. Allez, qu'est-ce qu'il y a ici? Les corneilles de l'ombre. Elles commencent à s'organiser. Bon, c'est un petit, mais très 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 petit casino, hein. Y a que ça. C'est plus une maison de prostituées, on va dire. Enfin, prostituées... Si, ouais, c'est quasiment ça. Hein. Tu veux monter, mon chou? Une autre fois. Tu verras des choses que t'as jamais vues, non? Je n'en doute pas. Major général Lafayette. Ah, il drague encore lui. Quel abruti. Ça, ouais. Par exemple, un américain. Abruti toi-même. Allez, y'a quoi là? Y'a rien. Rien? T'es fatigué? Bon. Est-ce que je peux te parler toi? Non, rien. Pas les pattes, je te prête. Marquis, pas le temps de s'amuser. Nous devons trouver une issue vite. Ils sont là. J'ai ce qu'il nous faut, monsieur. Si l'une de vous deux accepte de fouiller ma poche... Donne-moi ça. Cela suffit-il, monsieur? Ça oui, amplement. Allons à l'étage, je vous prie. Allez. T'es prêt, mon chou? Crois-moi, tu le regretteras pas. D'accord. Bon bah, on va les laisser tranquilles.
Oh, d'accord. Ouais, bon, on va y aller, hein. Par ici. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous trompez de chambre. Où est parti le français? Il est là, avec son ami. Hé hey, sortez d'ici. Bah, elles ont une voix douce quand elles parlent normalement. Oh, bonjour. Hello. Mais qu'est-ce que tu crois, toi? Bon, on le voit tout nul, monsieur. Toutes mes excuses, madame. Ah, je mettrai quelque chose pour voir si je peux... Mais je pense pas que je puisse mettre... Parce que j'arrive pas à faire le... Alors, monsieur, qu'allons-nous faire? Bah, déjà, j'inspecte la pièce, voir s'il y a quelque chose à trouver. Donc, il n'y a rien. Et on va y aller. Bon. On doit aller où? Ah, là-bas. Désolé, j'avais pas vu. Pas faire des petits sauts comme dans Uncharted. Il y a des intrus. Aux armes, en avant. Aux armes, citoyens. Bon, par ici, hein, de toute façon, c'est le seul endroit où on peut aller. Hein. Si on descend, bon, on meurt. Hein. C'est bon, arrêtez de faire ces bruits. On dirait qu'on a réveillé le nid. Apparemment. Ouvre l'œil, Marquis. Je dois trouver un moyen d'accès. J'opérerai avec diligence. Allez. Ah, attends. C'est quoi ça? Donc ouais, on se libère un passage là. Bon, c'est bon là. Merci. Le jeu, au début, quand j'ai vu des extraits, ça m'a rappelé un peu à Assassin's Creed au tout début, mais en fait ça n'a rien à voir. Fils et fille de Grande-Bretagne. Donc ouais, on peut pas y aller. On y accourt ici. Allez, mat. Allez, y'a rien à faire là. On va courir parce que... Chevaliers, deux cours pour les flics. Des chevaliers. T'es sûr que c'est pas l'inverse? Tu sais, un long pour les flics. Rebelle la terre! C'est bon! Ça tire deux coups. Les coups ne sont peut-être pas la meilleure option, monsieur. Tu as sans doute raison. Il nous faut un autre accès à l'hôpital. D'accord, on a ça. On va utiliser ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, non, on va garder sur ce qu'on a déjà. Rien. J'ai trouvé une issue. Ah, oula. Alors, attends. On va prendre ça. Munition? Non, on a déjà 60, donc c'est fini. Est-ce que ça change? Ouais. Prendre ça, plus de munitions, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Viens par ici. Alors, c'était pas très haut, je pensais que c'était haut, mais en fait, non.
on peut pas. Youhou! Petite glissade. Trop facile. Profites-en pendant que t'es jeune. Je crois que nous ne sommes pas les bienvenus. Tu crois? Restons vigilants. Pas question de recréer de l'agitation. Attends. Oh, j'ai cru qu'il y avait quelque chose. Je peux rien regarder là? Non. Regardez, monsieur. Dieu n'a pas sauvé cette reine là. Vite! Lafayette, lève-toi! On doit neutraliser ce sniper! Absolument, monsieur! C'est fait, c'est bon. Ah! Cible anéantie! Oups! Ah, il y a un autre sniper! Ah putain! C'est pas facile hein. Mais je le tire dessus! Il est immortel ou quoi? J'ai dû choisir l'autre arme. Voilà. Bien, voilà. Je recharge. Allez, merde. Ils sont immortels ou quoi, je te jure. Bon, y'a rien en haut, c'est bon. Rebelle neutralisé. C'est bon? Ouais, là-dedans. Lafayette, dans la rue. Oui. Non. Voilà. Y a rien, c'est bon. Non, c'est bon. Personne. Je les ai tués. Ah, je passe par là, d'accord. Merci. Allez, en avant. Attention. Là-haut. Voilà. Ennemi à terre. Il faut continuer. Je pense que des renforts rebelles sont en route. Ça, c'est quoi ça? Grenade, hein? C'est... Ah non, c'est pas les mêmes. Et là, c'est grenade fumigène, d'accord. Donc là, c'est la rue. Hop, munitions. Non. Ils ont bloqué le passage. Ah, on prend par là, alors. Par là. Monsieur, un tireur sort du bâtiment. Merde. Où ça? Je ne peux pas tirer. C'est pas vrai. Dans la cour. Le tireur est à terre. Je ne peux plus bouger. Attention, grenade. Voilà. Oh, tu t'as fait un grand écart avant de mourir. Entendu, marquis. Tireur rebelle à terre.
Allez, allez, allez. C'est bon. Y'en a d'autres ? Ah ! Où ça, où ça, où ça? Ah, mais tu crois quoi, toi? Ah, ok, d'accord, c'est lui. Ah, attends. Changer, on va prendre ça. Voilà. Ça a fait des dégâts. Oui, bien sûr. Merde. Voilà. Y'en a d'autres ? C'est de passer. Allez. Non. C'est pas ce que je voulais faire. C'est bon, y'a plus personne qui vient là. Évitons les rues tout en restant mobile. C'est bon. Plus personne. Y'a plus personne qui veut faire joujou. Oh. Donc on doit pousser ça, non? Non, apparemment pas. Vous me donnez un coup de main avec ce wagon? D'accord, bon, en fait si. Allez. Pousse, 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 pousse. Allez. On avance, on avance. Juste regarder ce qu'il peut y avoir là. Ah là, il y a un truc. Égalité, égalité, liberté. Et là, c'est pauvreté et régresser, non, je sais pas. Donc, en fait, ça c'est l'original, un truc comme ça, et ils ont refait ça, hein, comme ça. D'accord, avec d'autres mots. Rien d'autre? Allez, bon, on y va. Lafayette nous attend. Ici. Perceval. Perceval, tu m'entends? C'est inutile, monsieur. Les bâtiments bloquent le signal. Les joies du progrès. Passe ta longue vue. J'aperçois la cible. L'hôpital est à l'ouest. Voyez-vous nos camarades? Pas encore. Là? Attends. Là! C'est oui, voilà. On s'invite à la soirée?
Appelons des amis, d'accord? Commandement ici Galahad. Que quiconque se trouvant près de Whitechapel me réponde. Commandement ici Galahad. Allez, monsieur. M'entendez-vous? Nous sommes en infraction. Le grand chancelier sera furieux. Lafayette n'apprécie pas les cours martiales. On s'en inquiétera plus tard. Messire Galahad, ici Sentinelle 5. Nous sommes à 3 lieues au nord-est de Whitechapel. Quelles sont vos directives? Sentinelle 5, ici Galahad. Support aérien en attente requis. Bien reçu. Nous émettons des signaux bleus et rouges à une seconde d'intervalle. Demandons confirmation visuelle pour modification de destination. D'accord, on doit aller où? On doit aller là-bas. Là? On doit confirmer où? Non. Localiser le dirigeable Sentinelle 5. C'est ça, non? Non? Ah, c'est celui-là. D'accord. D'accord. Tac. Sir Galahad, ici Sentinelle 5. Confirmation visuelle de position. Modification de 2-2-4 degrés. Survol d'attente au-dessus de Whitechapel dans 8 minutes. Reçu, Sentinelle 5. J'attendrai les autres sur place. Allons-y. Bon. Cette bonne odeur m'estime. Tes bas-fonds parisiens sentent sûrement meilleur. C'est sûr. Bon, en tout cas, c'est ici que je vous laisse. J'espère que cet épisode vous aura plu. Likez bien fort la vidéo si c'est le cas. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez avec vos amis. Et moi, je vous retrouve dans un nouvel épisode. Ciao, ciao. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals.